Salut à tous et à toutes, c'est Katsas. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super comme toujours. J'espère aussi que les vidéos d'avant vous ont plu. En tout cas, merci à tous pour vos commentaires Hey, mister. et vos suivis Hello. et les j'aime. Ça fait toujours plaisir. Donc, nous sommes toujours à la suite des épisodes précédents. Et là, nous allons aller dans une petite maison où il y a des gens un petit peu particuliers et un petit peu bizarres. Donc, j'ai vu ça dans d'autres vidéos, hein, je n'ai rien inventé. Voilà, c'est ici à Pig Farm. Déjà, ça porte bien son nom. Et nous allons aller voir ça tous ensemble. Donc, je n'ai rien inventé, hein, c'est des vidéos que j'ai vues. Que j'ai vu également sur YouTube, mais j'ai envie d'aller voir ça par moi-même et voir un petit peu ce qui se passe là-bas. Alors, bon, je ne spoil pas pour l'instant, on va aller découvrir ça ensemble. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je ne vais pas tout faire dans la mission, en tout cas. Bon, vous verrez, en tout cas. Vous verrez que vous allez avoir droit à des gens assez bizarres. Bon, assez particulier quand même, hein. Ils sont dans leur ferme. Bon, allez, c'est parti. On va découvrir ça ensemble. Moi, je ne l'ai pas fait, hein, pour l'instant. Je l'ai juste vu en vidéo. C'est parti. Hello, mister. Well, you look like you need to take a load off. Well, ain't this a rare treat? Why didn't you tell me we had guests coming? I'd have fixed myself up nice. Oh, now you know you look perfect, princess. I ain't no guest, miss. I'm just passing through. Oh, nonsense. Well, come on in. Rest a while. Now, we got food on the stove and a bottle of the good stuff we've been saving. It's decided, then. I'm gonna go freshen up. I appreciate the offer, but I best be on my way. Oh, come on now. How you gonna turn down a hot meal and good company? I'll go open that bottle. Bon, alors là, clairement, c'est parce que c'est un jeu. Parce que réellement, moi, dans la vraie vie, je vois ça là, là, ça, ce truc là. Je me tire, mais je me tire en courant, carrément. Hein. Bon, là, on s'en fout, c'est un jeu. On risque pas grand chose. Et bon, on va aller voir ce qu'ils nous veulent. Donc, déjà, faut que j'aille voir sa gonzesse. Alors, a priori, c'est sa femme, vu comment il se. Son proche. Bon, un petit peu particulier. Well, look who it is. You are hungry, ain't you? Ouais. Eh ben, dis donc. It's all right. Looking ain't a crime. You go on and have a seat at the table. I'll be down in a minute. Repérer, ça serait pas pire. Allez, ok, on va descendre. On va continuer cette mission qui est glauque à souhait. Ce qui est génial dans ce jeu, c'est qu'il y a, il y a vraiment, ils ont vraiment pensé à tout, quoi. Même. She'll be down in just a minute. Woohoo! That is what I like to hear. Hey, now pull up a chair, partner. That's it. Yes, settle in. Make yourself at home. Oh, le gros porc. Hey! Ain't this just about perfect? One of them moments you wish could last forever. Well, like I said, I can't stay for long. Then look at us. Like a couple of old friends. Ah, it's a short life, but a merry one. Here we are, all the fixings. I hope you boys left some room in your trousers. Smells delicious. Food don't smell too bad neither. Oh, stop it, you! How do you like it? Mm, it's good. Different. That meat is so tender. Mm, you know what? This place used to be a pig farm when we was kids.
before we lost our Ma and Pa. Okay. Horrible business. Horrible. But we still got each other, ain't that right, honey pie? And we still know how to have the hog killing time. Here, that's for you. Yeah. There. Yeah. Mmm. Mmm. Where are my manners? Drinks. Yeah, I could definitely use a drink. That stuff will put hair on your chest. Oh, I doubt he needs that. Let's loosen you up some more. Ok, donc là, on peut décider de partir ou de revoir un verre. Moi, personnellement, je décide de partir. Parce que, bon, si vous avez bien compris, je pense que c'est un frère et une sœur qui sont super chelous. J'ai pas envie de rester là-dedans. Mais je ne vais pas les tuer. Je ne vais pas les tuer pour la simple raison que c'est vous qui allez décider ce que je dois faire. Est-ce que je reviens? Est-ce que je finis la mission? Comme ça, vous voyez comment ça se passe. Est-ce que je reviens en les tuant directement? Parce que c'est des grands malades. Et fouiller la maison par la même occasion. Ou est-ce que je ne fais rien et que je n'y retourne pas? C'est vous qui me direz. Voilà pourquoi je ne les tue pas. Et que nous allons faire une autre mission. Mais c'était quand même une maison à voir. C'est quand même assez particulier. Et c'est ce qui est génial dans ce jeu. C'est qu'on a vraiment de tout, de tout, de tout, de tout. Allez, on est parti pour une autre mission. On va aller à Rhodes. Bon, nous sommes arrivés à Rhodes. Et là, nous allons rechercher un avis de recherche. Je crois qu'il y avait un avis de recherche placardé sur un panneau d'affichage. Et on va aller essayer de faire cette mission, de voir ce qu'il y a à faire. Donc déjà, de retrouver l'homme... tout simplement l'homme qui est recherché, et puis récupérer un petit peu d'argent, hein, tant qu'à faire, parce qu'on a besoin d'argent, c'est important. Ok, Mark Johnson, attaque de train et de diligence. Il court toujours, il doit être capturé vivant. Ok, pour la récompense, ok. Eh ben écoutez, allons-y. Alors c'est pas comme si moi je n'avais pas capturé, c'est pas comme si moi je n'avais pas attaqué ni de train ni de diligence, hein. J'en ai attaqué plein. Mais bon, c'est quoi ça? Des animaux à chasser. Bon, ok, on verra ce qu'on peut faire. Au fur et à mesure de la mission, on va quand même prendre le truc avec nous. Donc ce que je disais, c'est que c'est pas comme si nous, on n'avait pas attaqué ni de train ni de diligence. Mais là, en l'occurrence, nous, on n'est pas recherché puisqu'on a payé notre prime. Donc on est tranquille. Par contre, on peut aller capturer les autres. Allez, c'est parti, on va aller chercher ce petit bonhomme. Et puis, on va aller voir si on peut récupérer un petit peu d'argent. Alors, il se trouve où? Où est-ce qu'il est? Ah, ok, il est là-haut. Wow, il est loin. Bon, comme d'habitude, hein, je pense que je comprends un petit peu tout ça au montage, parce que je vais pas vous laisser regarder chevaucher dans la plaine pendant 10 minutes, ça sert à rien. Autant couper tout ça un petit peu au montage. Alors, on arrive. Bientôt. Et on va aller chercher ce petit Mark Johnson. Hop. We ain't going till you get this right. I can't, Daddy, please. Let him in. He's been trying for hours. He ain't no kind of man till he can get on a horse. Ok. Alors, j'entends du bruit. Je sais pas trop ce qui se passe. C'est quoi? C'est son fils? Qu'est-ce qui se passe en fait? Faut le capturer. Do it, Daddy. He's spent. Let him rest. My son ain't no quitter. Do it again, boy.
My arms are like rope. Leave it, Billy, please. He ain't. They're here for your bounty. Cop to mama, boy. Don't shoot. I'm unarmed. We knew you was coming. I got something to ask. I'm a changed man, okay? Let me say my farewells. I'll come away peaceable. Okay, bah vas-y, si tu veux. Just get the boy. Please. I won't take but a moment. Make it quick. Ouais, okay. Allez. Vas-y, discuter avec... Boy, come here. Avec ton fils. Listen. C'est quand même pas sympa, franchement. Exactly as I say. You hear? No. C'est pas comme si moi j'avais pas capturé attaquer une diligence. Bon, allez, après tout, on s'en fout. Hein. Il avait qu'à payer sa prime et puis c'est tout. Chacun ses problèmes. Ouais. C'est comme ça, ouais. Par la même occasion, elle fouillait. Ah bah super, deux betteraves. Avec ça, je pourrais nourrir mon cheval. C'est déjà pas mal. Allez, viens, je t'emmène à la prison. T'avais qu'à payer ta prime. Hein, si t'as qu'à t'attaquer des trains, t'avais de quoi payer, c'est tout. C'est pas mon problème. Allez, grimpe là-dessus. Okay, girl. Tiens bien. Johnson. Johnson. What? Just you're real quiet back there. Most captured men, they beg or they cry or they rail against fate. I've made my peace. Ah, il s'est détaché. Oh non. Ah ben voilà. Trop gentil. Trop gentil. Reviens ici. Bon, faut que je le capture vivant. Ah, là là, c'est pas vrai. Hein. Allez, reviens. Ah, oh, bah il est tombé. Allez, hop. Comme ça. Parfait. Ah là 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 là. Ma bonté me perdra. Voilà. J'ai voulu être trop sympa. Eh oui. Fallait pas vouloir t'échapper. Allez, on est reparti. Crape plein dessus. En plus, tu serais mort. Hein? J'aurais pas eu ma prime, moi, si t'étais mort. S'il te faut vivant. Donc, c'est pas cool. Oh, oh. Voilà ce qu'il disait à son fils. J'en étais sûr. C'était trop beau. Ouais. Allez. Ils sont où? Essaye de... Ah, ah bah, j'ai tué ton cheval. Ok, il y en a d'autres. Bah, je sais pas si c'est ton fils ou pas que j'ai tué, mais en tout cas, il est mort. C'est tout. C'est comme ça. Ok. Ouais, c'est pas mon problème. Moi, tout ce que je dois faire, c'est livrer le personnage. Allez, en prison, mon gars. C'est fini pour toi. C'est cool, hein. On est bandits, chasseurs de primes, tout ça, on fait tout en même temps, c'est trop bien. Found this feller on a small holding. Name's Mark Johnson.
You can only run so long, son. There's your cell. You're lucky it's not a grave. I was out in the bayou. Wasn't hurting no one. Maybe you weren't, but those partners of yours were a rough bunch. Go to hell. Eh ben toi aussi. Go to hell. That's the price for Johnson. Ok, bon, eh ben, écoutez, je pense qu'on va arrêter cet épisode ici. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. J'espère que celui-ci vous a plu. En tout cas, la petite famille en début de partie était assez bizarre. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous dis à bientôt et bon jeu à tous. Salut, salut!